ce corps à corps Verdi se propose de traduire dans le langage de la danse les plus célèbres mélodrames du compositeur italien. En effet, dans sa tournée en Algérie, la compagnie Artemis fait découvrir cet art devenu sacré à l'Italie. On vient de Parma, une petite ville au nord de l'Italie. Et nous dansons Traviata, c'est-à-dire une pièce de danse contemporaine sur l'opéra Traviata de Giuseppe Verdi. Danser la Traviata pour clore à Alger la 14e édition du Festival culturel européen, c'est aussi revisiter l'œuvre immortelle de Giuseppe Verdi. Legato anche alle arti marziali. Le travail de Monica, c'est-à-dire la chorégraphe, c'est un travail qui fonde la danse contemporaine avec l'aïkido, une art martiale. Agilité, force et énergie sont les techniques de ces danseurs, formés par Monica Casadei, une chorégraphe qui a su allier la danse moderne à la danse classique. Je travaille dans la compagnie il y a 4 ans. Cette fois, c'est la deuxième fois qu'il arrive, qu'on vient ici. Et on est très, très heureux. La dynamique insoupçonnée de la danse à travers ses prestations a permis au grand public de goûter à un spectacle performant où la magie de ses couleurs a fait le distinguo de la Traviata.